un nouveau jour, un nouveau DIY raté. Je voulais faire un papillon qui s'envole avec un élastique. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, c'est très mignon, ça marche normalement très bien, mais là ça n'a pas du tout marché. J'avais même pensé à un petit jeu de mots à mettre sur la boîte, j'étais très fière de mon jeu de mots. Une fois ma boîte finie, je me suis mis au papillon, mais franchement je me suis donnée, genre j'ai designé un papillon avec des cœurs et tout, il était tout beau. L'idée du papillon c'est que l'élastique fasse tourner le trombone sur lequel sont accrochées les ailes et que ça fasse voler le papillon. Attendez, vous inquiétez pas, je vous montre. On tourne, on tourne, on tourne, on referme, on ouvre et il se passe rien. Je me suis dit, c'est ma boîte, elle est trop grande, le papillon a le temps de se déballer dedans, donc on va faire une boîte plus petite. Donc j'ai tout retravaillé. On réessaye, on tourne l'élastique et... C'est quoi ça? Je peux pas dire tu me donnes des ailes alors que ce papillon est tellement fatigué qu'il ne fait même pas deux battements. J'arrive pas à savoir ce qui cloche avec ce DIY, donc si vous voyez le problème, n'hésitez pas à me le dire parce que là j'ai passé trop de temps pour un résultat trop médiocre.